Tout le monde sait que je suis un peu Monsieur Patrimoine. Eh bien, je suis aussi Monsieur Patrimoine de la chanson française. Hier encore, Charles Aznavour. Il y a une chose qui m'a donné envie de faire un métier public, peut-être. C'est Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous revenez à l'essentiel, c'est que ce que vous faites n'a de sens que parce que vous le partagez avec les autres. Ma plus belle histoire d'amour. Sous la douche, j'évite de chanter, c'est mieux pour tout le monde. Alain Souchon, Laurent Voulzy sont parmi mes chanteurs. Et en ce moment, je suis à fond dans Calogero. Mourir d'aimer. Vous savez, c'est un fait divers d'une prof avec son élève et c'est vraiment un fait divers terrible. Ah, il y a des chansons inavouables dans mon téléphone portable. Il y a du Nana Mouskouri, Dalida aussi. Il venait d'avoir 18 ans. Pharrell Williams, Happy. Ça me rend heureux, ça me rend joyeux. Quand je voyage et que j'ai besoin de m'endormir, j'écoute du Serge Reggiani ou du Jean Ferrat. Je sais que c'est pas très jeune hein, comme choix, mais je reviens toujours vers les essentiels. Mais celle que tous les Français ont dans la tête, c'est Marie Myriam. On sait jamais si c'est l'oiseau et l'enfant ou l'enfant et l'oiseau, mais ils sont tous les deux dans la chanson. Comme un oiseau... Non, je peux pas le chanter.